Oui, je sais pas, tu voulais interviewer combien de gens et moi je pensais que tu peux aussi interviewer Julien, je pense. Je m'appelle Yuan, je suis un designer artiste culinaire. Je suis arrivée en France en 2006. J'ai créé mon studio en 2014 à Paris. Je fais. Mon métier, c'est de faire la nourriture et lui donner du sens. Je travaille avec des chefs, je collabore avec des entreprises pour dans une direction. Ici, parce qu'il est au centre de Paris, donc pour chercher... Je travaille pour les Champagnes Nicolas Feuillat depuis 2008, je suis chef de groupe. Ça veut dire que je gère le marketing et la communication avec toute mon équipe. Et en fait, on a décidé, à l'occasion du lancement de notre nouvelle cuvée qui s'appelle Réserve Exclusive Premier Cru Extra Brut, d'inventer un concept au sein d'un marché dans Paris, de privatisation de marché et de proposer une expérience assez exclusive et inédite de découvrir une cuvée à travers. On a eu un coup de cœur pour ce marché, déjà de par son emplacement, sur une petite place avec des petits arbres. C'est typiquement le marché parisien, on va dire, par excellence. Et puis on a tout de suite bien accroché avec les commerçants, les producteurs qui sont dans le marché. Ils ont tout de suite montré un grand engouement pour le projet. Voilà, ils ont apprécié la marque Nicolas Feuillat, ils ont apprécié le fait de proposer une expérience. Ils étaient tous super motivés, donc voilà, on s'est dit que ce serait sympa. Bah, c'est une question de valeur en fait. Nicolas Feuillat, c'est une marque de champagne qui est très humaine, mais coopérative. On rassemble 5000 vignerons en Champagne. Donc en fait, l'humain, c'est dans notre ADN. On n'imaginait pas pouvoir proposer une expérience dans un marché sans valoriser les gens qui travaillent dans ce marché. Donc c'était très important pour nous que chacun ait sa place, que les producteurs puissent expliquer à leur passion, nous expliquer comment ils travaillaient au quotidien. Et puis c'était marrant parce que c'était tout un parcours pédagogique sur lesquels en fait on expliquait à chaque fois le parallèle entre le fleuriste, les notes olfactives et les notes de la cuvée, le fromager où on parlait de temps d'affinage du fromage et de temps de vieillissement du champagne. Donc en fait on a trouvé justement plein de points communs entre ces producteurs du marché et les champagnes Nicolas Feuillat.